Bonjour, bonjour chers abonnés, bonsoir, bienvenue sur Africa Contractor. Alors ce matin nous sommes en visite de travail dans une ferme de poulets pondeuses, un élevage très très lucratif. Donc là nous sommes chez un client, hein. Il faut noter bien ici c'est chez un client qu'on accompagne depuis un certain bon nombre de temps. Alors ce matin j'avais mon collaborateur Monsieur Kamden. Il va vous dire deux ou trois choses sur l'élevage des poulets pondeuses. Bonjour, bonjour, chers internautes. Moi, c'est Kamden Samuel, je suis technicien supérieur option animale, travaillant pour Africa Contractor. Ce matin, comme mon collaborateur vous disait, nous sommes dans une ferme d'un client avec qui nous avons commencé il y a de cela belle lurette. Et nous sommes presque à la phase terminale, puisque les pondeuses ont déjà pondu, elles sont presque réussies, quelque part elles seront mises à la vente. Et ce que nous allons conseiller et accompagner le client, comme vous voyez, les sujets sont bien traités, la niche est bonne. Voilà. Et un avantage, vous voyez ça là, c'est de la fiente de poule. Et généralement, poulet pondeuse, et généralement en agriculture, c'est plus sollicité par rapport aux fientes de poulet de chair. Donc vous voyez que dans la chaîne de production de poulets de pondeuse, tout se vend. On prend d'abord les œufs, par la suite on vend les poulets, par la suite on vend même la fiente. Et elle coûte plus cher que la fiente de poulet de chair, pardon. Donc la fiente de poulet pondeuse, elle coûte plus cher que la fiente de poulet pondeuse. Oh, qu'est-ce que je dis? Pardonnez-moi. Je vais dire, la fiente de poulet pondeuse coûte cher plus que la fiente de poulet de chair. Donc c'est un élevage très très lucratif. Je vous conseille de vous lancer et surtout faites-vous accompagner par des experts comme Africa Contractor. Et il y a deux trois éléments qu'il faut maîtriser dans l'élevage de poulets de chair, pardon, de poulets pondeuses. C'est que j'aime trop les poulets de chair et j'en fais tellement dedans. Mais ok, je vais passer la parole à mon collaborateur. Il va vous dire deux choses qu'il faut maîtriser essentielles dans l'élevage de poulets de pondeuses. La chose à maîtriser d'abord, c'est la souche du poulet pondeuse. Puisqu'il y a plusieurs souches, mais il y a des souches typiquement allouées à l'Afrique qui sont des bonnes souches comme celle-ci. Elles sont très bonnes et elles sont résistantes et elles font des bons œufs. Voilà. Elles produisent une bonne longueur de durée, une bonne durée. Alors, et la mortalité est réduite. Très, très réduite. Donc, c'est très important. Vous comprenez d'abord que tout commence par la souche. Ok. Donc merci, merci, nous on est venu travailler, on va vous laisser, on vous montrer un peu juste comment ça se passe. Partagez, abonnez-vous au maximum.